M6, 21h, la chaîne lance une nouvelle série médicale, réussie, et adaptée d'un documentaire éponyme multi-récompensé. Nous avions rencontré l'actrice principale, Marcia Gay-Harden, lors du festival de télévision de Monte-Carlo. Code Black est le terme utilisé aux urgences lorsqu'il y a plus de patients que de ressources. L'Angels Memorial Hospital, à Los Angeles, où se place l'action, y est confronté 300 fois par an. Dans la veine des HC Urgence, la série brille par son réalisme et le jeu des acteurs, avec en tête l'actrice oscarisée Marcia Gay-Harden. Code Black, cela veut dire qu'il y a un compte à rebours pour chaque patient, l'urgence est totale, nous avait expliqué la comédienne à Monaco. Ils doivent jongler à chaque seconde et trouver des solutions à des problématiques qui semblent désespérées. Un vrai champ de bataille. En tant qu'actrice, je dois avoir l'air ultra stressée en permanence et à force je le deviens réellement alors que je ne suis pas en train de sauver des vies. Marcia Gay-Harden incarne le docteur Rorich, responsable des internes. Un rôle en or qu'elle a dans un premier temps refusé poliment, ne s'imaginant pas égérie de série médicale. Et puis j'ai vu le fameux documentaire dont la série est inspirée et j'ai été touchée. En le regardant, il m'est venu une métaphore, travailler à l'Angels Memorial, c'est comme passer d'un tournage pour un grand studio hollywoodien à un plateau de film indépendant, où tout le monde sans exception se retrousse les manches, œuvre avec les moyens du bord, dans la même direction, porté par la même énergie. Pas de règles, pas vraiment de protocole et beaucoup d'improvisation pour sauver des vies. Cela m'a parlé, aujourd'hui, elle est la première fan de son personnage, ce que j'aime chez Liane Rorich, c'est son côté cow-boy et irrévérencieux. Elle a aussi des méthodes à la MacGyver, car c'est le code Black qui veut ça. On sauve des vies comme on peut, ce n'est pas toujours ragoûtant, c'est cru et violent. En effet, ne serait-ce que dans le premier épisode, où l'on pratique notamment une césarienne à l'arrache, il y a beaucoup de sang, plus que dans les autres séries médicales, mais c'est le principe même du code Black. Âme sensible, peut-être, s'abstenir. Une actrice oscarisée au casting en 2001, Marcia Gay-Harden a décroché l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de la peintre Lee Krasner dans le film Pollock. C'est un grand honneur, dit-elle, mais ce n'est pas magique. Les réalisateurs ne se bousculent pas à votre porte du jour au lendemain. En revanche, on le mentionne en parlant de ma carrière, ce qui est toujours un plus. Je fais partie du petit groupe à